ça, à mon avis, c'est Tartiflette au robe aux gens de Savoie. Et du coup, ils ont mis une photo de Tartiflette normale. Mais ça ressemble, mais alors 0% à la photo là. Par contre, là, c'est l'appel rouge, donc ça, si ça intéresse quelqu'un. Donc, on va regarder. Alors, Tartiflette au robe aux gens de Savoie. L'appel rouge, 1,3 kg, 8,99 €. 1 kg coûte 6,92 €. Déjà, c'est des prix qui ressemblent un peu plus à la réalité. Le gratin savoyard, c'est une barquette de 1 kg à 5,99 €. Donc ça, ça a l'air quand même d'être des trucs fromage et pommes de terre. Donc je me dis, c'est le genre de truc qui, si vous avez des ados qui mangent à la maison, ça peut peut-être être bien. Parce que ça permet de les nourrir un bon coup, même le soir. Et puis si vous faites ça avec une grosse salade composée, peut-être que vous, qui avez peut-être moins faim, comme ça vous en mangez un petit peu. Ils mangeaient plus de ça et eux ils mangent plein de ça. Je sais pas. À voir. Bon, alors je vais tourner parce que du coup il n'y avait pas grand chose. Alors là il y a des feuilles thé. Alors les feuilles thé, il y en a certains qui sont que émentales. Donc ça c'est quand même vachement grand. Mais qu'est-ce que c'est bon. Moi j'en achète. Ah, j'en achète plus trop des feuilles thé comme ça en ce moment. Ah, mais non, c'est pas trop ça que j'achetais. C'était les crêpes. Pardon, les crêpes. Surgelé. Pendant un temps j'en achetais et j'en avais tout le temps dans le congé. Parce que quand je savais pas quoi faire à manger, je mettais ça dans ma lunchbox entre guillemets. Mais maintenant j'essaye d'éviter de prendre ça. Parce que ça fait vraiment trop gras. Mais bon, dans le genre, donc on a dans le genre gras, on a ça, ça et ça. Donc des feuilles thé. Je vais prendre que Emmental, pâte pur beurre. 1,99 €, 520 grammes. Soit 3,83 € le kilo. On a aussi les Daily Pockets. Les Daily Pockets, ça a un goût un peu comme les Boons ou les trucs comme ça, pour ceux qui connaissent. Donc il y en a 4 de 120 grammes dedans. 2,79 €, soit 5,81 € le kilo. On a le choix entre hot dog et burger. Et ici, la pizza, 3 fromages. Donc ça pourrait être quelque chose que j'achète à partager. Ça, je trouve qu'on s'en fout un peu parce que franchement, tu peux prendre une pizza normale et la couper, c'est pareil. 500 grammes, 2,19 €, soit 4,38 € le kilo. Après, si j'achète une pizza chez Lidl, je n'achèterai pas celle-là. J'achèterai les imitations buitonnées parce que mon chéri a dit qu'il en avait goûté. L'autre fois, il en avait acheté à la viande, donc moi, j'en ai pas mangé, mais il a dit que c'était pas mal. Donc, perso, je prendrais plutôt ça. Si j'en achetais. Alors là, il y a les plats express. Il y a mon plat de gnocchi que j'adore. Là, quand je veux des trucs tout prêts, les gnocchi tomates et mozzarella. Ça, je vous avoue que je l'ai acheté plus d'une fois. Parce que, voilà, ça c'est actuellement mon plat tout prêt que j'ai dans le congé. Si jamais j'ai vraiment rien du tout à manger, j'ai ça. Après, honnêtement, ça doit faire peut-être au moins 2 mois que je l'ai. Je l'ai toujours pas mangé. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même pratique. Et c'est 1,79 €, donc ça fait vraiment pas trop cher. Comme ça, au moins. Bon. Ça fait un truc comme ça. Donc le produit, 1,79 €. Et si vous en prenez deux, c'est 2,68 €, soit 1,34 € l'unité. Ce qui nous fait un prix à 4,47 € le kilo. Donc vous avez soit gnocchi tomate, soit farfalle champignon poulet, soit saumon et purée de légumes. C'est dommage que j'aime pas le saumon parce que ça a l'air bon. Soit colombo de poisson. Je suis pas sûre que j'aime. Et comme c'est surgelé, ils mettent des gros dents cuissants. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aussi le mettre au comment ça s'appelle? Au frigo le matin pour le dégeler. Si vous n'avez pas fumé depuis tout à l'heure, je vous présente les offres qui sont valables que aujourd'hui. Donc je vais peut-être vous montrer un peu voilà, des offres valables plus longtemps. Histoire que il y en ait pour tout le monde, pour ceux qui vont aller à Lidl après ma vidéo. Et aussi pour ceux qui voudraient y aller un autre jour. Alors, là, je remarque, c'est amande en poudre. Parce que ça, c'est un truc que j'utilise quand je cuisine. Moi, quand je cuisine, je mets beaucoup d'amandes dans les gâteaux à la place d'une partie de la farine. Donc, je vois le produit de 200 grammes, 2,29 €. Et si on en achète deux, c'est 3,41 €, soit 8,58 € le kilo. Soit un prix quand même assez intéressant parce que là on passe à 1,72 € l'unité. Donc ça, je suis pas sûre d'en avoir, donc il faudrait que j'en achète.
soit 60 centimes l'unité. Donc ça, c'est quand même vraiment très pratique. Et puis l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de sauce dans celle-là. Donc vous pouvez les mélanger avec quelque chose d'autre qui a de la sauce. Je vais quand même me mettre un point d'interrogation. Il faut que je fasse un point sur ma situation Petra. Ça doit faire un prix qui est bizarre à la fin du coup parce que ah mais j'étais encore sur des trucs qui sont valables qu'aujourd'hui. Ah, encore c'est des offres valables encore qu'aujourd'hui, j'avais pas vu. C'est pas possible, ce catalogue m'énerve. Alors vais-je trouver d'autres offres valables plusieurs jours? Ah, des trucs jeudi. Il y a des chaussettes. Où est le côté thermique? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça fait beau. Ça fait beau. Enfin, comment ça fait pourquoi thermique comme ça? C'est bizarre. Bizarre. La jupe Milan, ça c'est joli ça. 8,99€ l'unité au choix. On a celle-ci qui est avec un espèce d'effet.
Intéressant. Et là, pareil, arc-en-ciel.
potentiel. Je sais pas comment on prononce ce mot-là.